Les amis, nous devons sécuriser d'abord le direct. Il nous faut sécuriser le direct. Mes amis, il nous faut sécuriser le direct, s'il vous plaît. Il nous faut sécuriser le direct. Il nous faut sécuriser ce direct-là. Je vais demander à chaque personne de mettre... Il faut sécuriser ce direct-là. Il nous faut sécuriser ce direct-là. S'il vous plaît. Et je vais demander aux uns et aux autres, tout humblement, de bien vouloir partager massivement cette vidéo. Mon clipier a un problème. Laissez-moi voir si je peux le régler. Oh Seigneur, excusez-moi. Je demande aux uns et aux autres de bien vouloir sécuriser le direct. Parce que au lieu que nous soyons tous MCI Info vient de l'annoncer. Nous avons MCI Info hein, qui vient de l'annoncer. Je vais lire le communiqué de MCI Info. Je ne suis pas ici pour annoncer quoi que ce soit, mais je vais lire le communiqué de MCI Info, MCI News. Décès à Abidjan du président Henri Konan Bédier, ex-président de la République et président du PDCI. La Côte d'Ivoire perd une grande figure politique. Je vais lire simplement les publications qui actuellement sont en cours. Sylvain Konan, il y a 40 minutes, écrivait « Deuil, la Côte d'Ivoire et le PDCI en deuil. Décès du président Henri Konan Bédier ce jour. Un RIP pour le repos de son âme. » Je demande à tout le monde de mettre les cœurs et de partager le direct, s'il vous plaît. Je le demande en toute humilité parce que aujourd'hui est un jour, on ne peut pas dire normal pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un jour normal. Ce n'est pas un jour normal. Mais j'aimerais, en tant que leader, dire deux choses. La première des choses, c'est à l'État de Côte d'Ivoire, d'abord,
par ses moyens de communication d'annoncer officiellement la nouvelle à tous les Ivoiriens. Permettez-moi, s'il vous plaît, de le dire ainsi, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui est un instrument dangereux. Les jours qui viennent, au lieu que la Côte d'Ivoire soit en deuil, au lieu que la Côte d'Ivoire soit dans un état de pleurs pour quelqu'un qui a dirigé ce pays, écrivez ce que je dis là. Vous allez voir, toutes les théories vont commencer à se mettre en place. L'homme dont on parle n'est pas le camarade de quartier de tout le monde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, j'insiste. Toutes mes pages sont aujourd'hui au rouge. Toutes mes pages sont restreintes. Mais je dis quelque chose d'important. Les heures qui viennent sont des heures dangereuses sur les réseaux sociaux. Toutes sortes de théories, les prophètes, les prophétesses, les révélations vont commencer à sortir de tout part. Quand moi je m'assois aujourd'hui, je me pose la question de savoir est-ce que je pourrais atteindre 89 ans dans ma vie. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse le président Henri Konan Bédié. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse le président Henri Konan Bédié. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse le président Henri Konan Bédié. Mes amis, il y a des gens, quand ils atteignent 80 ans, 81 ans, 89 ans, la nation tout entière doit s'asseoir pour les acclamer. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il y a des âges quand tu atteins, c'est une bénédiction. C'est pour ça que quand les grands-pères, les arrière-grands-pères meurent dans certaines ethnies, on ne pleure pas, on se réjouit. Parce qu'on dit la personne a vécu. On acclame le vécu de la personne. Je ne suis pas là ce soir pour annoncer quoi que ce soit. Mais ce soir, j'ai un peu peur. Aujourd'hui, j'ai peur de ceux qui mettent des caméras et qui font des vidéos. Je vous jure, sur les deux seins de ma maman, je vous donne seulement 24 heures. Vous allez voir comment Facebook va prendre feu sur cette nouvelle qui est en train de venir. Je vous donne jusqu'à 24 heures. Vous allez voir les prophètes de malheur, les soi-disant révélateurs. Mon Dieu m'avait dit, Dieu m'avait montré, j'avais fait un songe. Je vous avais dit que vous allez voir les vidéos, des anciennes vidéos qui vont revenir. Tel prophète avait dit que, mes amis, vous savez, dans le deuil, il y a un élément essentiel qu'on appelle la dignité. C'est pour ça que la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si la nouvelle est confirmée par les institutions de l'État, parce que c'est un homme d'État et c'est aux institutions de l'État de nous annoncer une nouvelle, faisons attention à nos commentaires. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Faisons très attention. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Et aux influenceurs et aux blogueurs, faites très attention à ce que vous allez partager. DJ Arafat est mort ici. Les spéculations ont amené certaines personnes en prison. L'homme dont on parle, ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. C'est le grand frère d'Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Peu importe les incompréhensions, il n'a jamais manqué de respect à ce papa-là en public. Celui qui va s'amuser avec la dignité de ce deuil, si c'est confirmé, va lire-le. Je préfère, en tant que le général, venir vous mettre en garde. Dans ce genre de situation-là, nous tous, aujourd'hui, je devais faire une direct. Mon direct est déjà prêt. Voici mon direct. Comment procéder le mois de juillet, de d'août. Je n'ai même pas la force. Parce que la majorité de vous tous qui êtes connectés ici, vous n'êtes pas venu connecter pour dire Marco, so prie pour moi. Vous êtes venu parce qu'il y a Béret. Mais ça, ce n'est pas Béret, ce n'est pas Congo ça. Quand quelqu'un s'est assis sur le trône, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Faisons attention. Mes amis, après le président Félix Houphouët-Boigny, nous risquons, si la nouvelle est confirmée, de vivre un deuxième deuil de quelqu'un qui a dirigé ce pays. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse le président Henri Konan Bédié. Mes amis, je vois des spécialistes
en émotion. Vous savez, je peux ne pas être d'accord avec toi. On peut être des adversaires politiques, ça ne veut pas dire qu'on se déteste. Ça veut dire qu'on ne partage pas les mêmes convictions. Toi et moi, on peut s'attaquer sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que tu es mon ennemi. Le jour où tu meurs, j'ai le droit de pleurer. Parce qu'avec qui je vais me battre. Avec qui je vais faire des débats contradictoires. Donc, faisons très attention. La Côte d'Ivoire est un pays fragile qui a vécu ce qu'on appelle une guerre. La Côte d'Ivoire a longtemps été divisée par l'immaturité de certains Ivoiriens. Dans ce genre de situation-là, toute la Côte d'Ivoire se met ensemble et puis on dit Yako. Et puis chacun ferme sa gueule. C'est très important ce que je dis. Parce que vous allez voir dans les heures qui viennent. C'est sur Facebook, sur Internet, que certaines personnes deviendront des médecins légistes. C'est là, là, que certaines personnes viendront dire, j'ai un papa, selon telle information, frère. Frère, on nous a dit ici que le corps d'Arafat était caoutchouc. Je demande pardon, Jean. Peut-être que c'est ma tête que vous n'aimez pas. Peut-être que c'est mon visage que tu n'aimes pas. Mais il y a un moment donné dans la vie, faut faire preuve de sagesse. Faut faire preuve de sagesse. Il faut savoir se taire. Quand un roi part, tout le monde rentre dans la maison. On ferme les portes. On ferme les portes. Et puis chacun s'enferme. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nous devons avoir ce qu'on appelle une dignité nationale. On peut plaisanter sur nos bérets. On peut s'amuser sur nos choses. Mais il y a des choses sacrées avec lesquelles on ne s'amuse pas. Surtout quelqu'un qui a dirigé ce pays. Pas pendant un an. Pas pendant deux ans. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je touche du bois. Tous nos hommes politiques, là, qu'ils soient d'accord ou pas, là, je vais les emporter un jour. Mais même si tu ne l'aimais pas, la mort, elle est sacrée. La mort, elle est sacrée. C'est le carrefour que nous tous, on va emprunter. Donc, il faut faire preuve de dignité. Et quand ces gens de grande personnalité partent, la nation doit se lever pour leur rendre le plus grand hommage qui n'a jamais eu lieu. Le plus grand hommage qui n'a jamais eu lieu. Dans ce genre de situation, il n'y a plus de parti politique. Le président Ricona Bédié n'appartenait pas au PDCI. Il appartenait à la Côte d'Ivoire. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Donc, il doit avoir ce qu'on appelle une symbiose d'unité. Je répète une chose. Je parle en tant que général et je parle en tant que voyant. Ce qui va arriver dans ces deux jours-là, j'ai peur. Surtout sur les réseaux sociaux. On a perdu Amba. On a perdu le premier ministre Gon Coulibaly. Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté sur les réseaux sociaux? Ces mêmes-là, ils sont encore vivants. Hein. Ils sont encore vivants. Pour révolter les gens, amener à révolter. D'autres vont essayer de se servir pour aller révolter le peuple baoulé. Je les connais. Le chien ne change jamais la manière de s'asseoir. J'aimerais vous regarder droit dans les yeux. Et dire à ces personnes, stop. Actuellement, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. La Bible n'a jamais dit de commenter la mort. Non. Aujourd'hui, si l'information, parce qu'il faut parler toujours au conditionnel, si l'information est vraie, il faut se calmer. Je vois quelqu'un qui dit, non, la haine est en train de faire des débats inutiles. Non, la haine appartient à une institution qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Il y a des choses que il n'y a que le chef de l'État seul ou le ministre, le premier ministre ou le ministre de la communication qui doit venir annoncer quelque chose. La haine ne peut pas s'amuser à ça. La haine n'a pas le droit. Donc on attend que l'institution, le petit frère du président Henri Konan Bédié, l'homme qui a fait du président Ouattara ce qu'il est, c'est le président Henri Konan Bédié. Il faut le dire. Son alliance en 2010 lui a permis de venir au pouvoir. Son petit frère va honorer son grand frère. Le petit frère va honorer son grand frère. Si l'information est exacte, nous allons voir le petit frère d'Henri Konan Bédié, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, honorer son grand frère comme il n'a jamais honoré quelqu'un. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire pleure. Le peuple baoulé pleure parce que cet homme avait statut d'un roi. Yako. Si l'information s'avère exacte. Mais nous devons faire preuve de maturité.
maturité. Nous devons avoir la capacité de faire preuve de maturité. Je le dis avec tonalité. Je parle fort. Celui qui n'est pas d'accord, c'est ton opinion. Je ne changerai jamais. À 40 ans, un homme ne change plus. Je ne peux plus changer ma manière de parler. Si ça t'embrouille, tu diminues ton téléphone. Mais ce soir-là, il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Il y a les Kwaku, les Conan, les Kwame. Ma mère est baoulée de Boaké. Je pleure ce soir. Parce que c'est un grand qui part. La grandeur d'un homme se détermine par son impact sur la société. Il a perdu le pouvoir en 99. Il a redonné le pouvoir en 2010 à Alassane Ouattara en se mettant à côté de lui et demandant à tous les chefs baoulés de prendre celui-là comme celui de monsieur comme le fils et de le voter. Le RHDP lui sera éternellement reconnaissant, même si après il y a eu des incompréhensions. C'est la vie. Mais cet homme mérite le plus grand respect. Le plus grand respect. Je demande aux uns et aux autres de faire preuve d'intelligence. C'est vrai qu'aujourd'hui, les analphabètes, les illettrés, les malades mentaux ont des téléphones et peuvent faire des directs ou des commentaires. Mais à un moment donné de la vie, on s'assoit en tant que nation et on parle en tant que nation. On ne peut jamais se réjouir du départ d'un grand. Je touche du bois. Même si le président Ouattara, je dis part, c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Pourquoi? Parce que cet homme est un grand. Je touche du bois. Si le président Gbagbo s'en va, c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Même ceux qui ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce que c'est un grand. Quand quelqu'un s'est assis sur le fauteuil présidentiel, il n'est plus un homme comme les autres. Il devient une entité. Et nous devons avoir la capacité de leur donner cela. Mes amis, je demande aux uns et aux autres d'attendre le communiqué de l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui font en sorte que la majorité des personnes ont maintenant peur. Même pour faire un communiqué, ils ont peur de s'écrocher parce que tous les imbéciles, tous les sorciers sont assis. Ils vont regarder le visage, les lunettes, la tête, en vrai qu'ils sont contents. Non, ils ne sont pas trop contents. Ils sont hypocrites. Ils ne sont pas... Parce que personne aujourd'hui n'a l'intelligence de comprendre ce qu'on appelle la dignité dans un deuil. La mort n'est pas un jeu. Et nous allons tous partir un jour. J'aimerais prier pour quelqu'un qui me suit à cet instant précis, qui met les cœurs et qui partage cette vidéo. Je prie Dieu que tu aies la longévité d'Henri Conan Bédié. Je prie Dieu. Aujourd'hui, là, je prie Dieu que tu aies la longévité d'Henri Conan Bédié. 89 ans. Ça, c'est aïe sur papier. 89 ans. Que Dieu te donne cette longévité. Que Dieu, par sa grâce, te donne cette longévité. France 24 n'est pas les institutions de la Côte d'Ivoire. Si France 24 a confirmé que nous tous, on sait que c'est ça, nous, on ne sait pas. C'est comme ça que les Africains doivent se comporter. Même si France 24 est venue dire, même si sa femme vient dire, on a compris, mais on n'est pas encore informé. Parce que dans la pratique de l'annonce d'un deuil, il y a des procédures. On n'annonce pas un deuil comme ça. Surtout un deuil national, ça ne s'annonce pas comme ça. Il y a une procédure, il y a une méthode. Il y a une diplomatie. Il y a une tradition. Il y a une coutume. Il y a une manière de l'annoncer. On ne vient pas l'annoncer comme ça. France 24 n'est pas institution de la Côte d'Ivoire. Parce que France 24 a déjà menti. Donc on s'assoit nous tous. Et puis on attend un seul homme qui doit amener l'annonce. Cet homme qu'on connaît là, il s'appelle Alassane Ouattara. Point. Le reste là, même si son parti vient annoncer, nous on n'a pas compris. C'est pas son parti, nous on ne connaît pas son parti. Ce que nous on connaît, c'est que le président Henri Conan Bédié est un ancien chef d'État de la République de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire existe. Ceux qui dirigent la République de Côte d'Ivoire n'ont qu'à venir nous annoncer la nouvelle. Et puis ensemble, on va s'asseoir et puis on va pleurer. On va embêner le fond, on va pleurer notre pépé. On va pleurer cet homme qui nous a dirigé un jour. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ou cet homme-là, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait couler le sang de qui que ce soit. Ses mains n'ont pas le sang humain. Cet homme mérite le respect et la
reconnaissant de tout l'État de Côte d'Ivoire. Il mérite un hommage jamais réalisé après Félix Houphouët-Boigny. Il était l'héritier de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, quand on a donné le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est Henri Conan Bédié qu'on appelle. C'est pas ton ami. C'est pas ton camarade de quartier. Donc, j'aimerais demander aux gens de faire très attention quand ils vont prononcer d'ouvrir leur bouche pour prononcer ce nom-là. Faites attention. Quand les gens viendront s'asseoir, faites attention. C'est pas notre ami. Il y a des hommes qui ont un âge. Quand tu dois parler de là, faut tourner ta langue 17 fois avant de parler. Moi, je prends la parole parce que je suis un homme spirituel. Faisons attention. Mes amis, que Dieu te donne la longévité d'Henri Conan Bédié. Que Dieu protège sa famille. Que Dieu protège sa femme, maman Henriette. Que Dieu protège ses enfants. Que Dieu console le président Alassane Ouattara. Parce que nous tous, on sait combien de fois le président Alassane Ouattara aime cet homme-là. On sait, nous tous. Mettons l'hypocrisie, mettons la politique de côté. Parlons des rapports humains. Il a toujours appelé grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Et ma grande soeur, comment elle va? Elle va bien au-dessus. Ces deux hommes n'ont jamais eu de problème. Mais vous savez, dans la vie, quand il y a des gens à côté de vous, c'est toujours eux qui sont à bas de tous les problèmes qui existent. C'est les histoires de on dit. Il paraît que, j'ai appris que, on dit que, on dit que. On dit souvent que c'est autour de la mort qu'on se réconcilie. Mon plus grand souhait, ma plus grande prière, c'est que si ça savait être exact, que ce départ ouvre l'esprit de tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire de comprendre qu'un jour, ils vont quitter cette terre. Si l'information savait exact, oh, que les Ivoiriens seraient heureux de voir le président Gbagbo, le président Ado, Blégoudé, Soro Kibafoui Guillaume, toutes ces personnalités autour d'un homme qui défendait les valeurs de la paix et qui était celui qui délivrait le prix Nobel de la paix, se retrouvaient tous pour dire « Laissons tomber nos petits problèmes, laissons tomber nos incompréhensions, regardons à la Côte d'Ivoire parce que nous ne sommes pas éternels. » C'est ma plus grande prière. Nous tous, un jour nous partirons. Nous tous, on mourra. La question que nous devons nous poser, si je quitte cette terre maintenant, qu'est-ce que je laisse comme image et comme impact? Je devais faire une directe aujourd'hui, je suis obligé d'aller m'asseoir pour réfléchir et de penser. D'aller m'asseoir, réfléchir et penser. Je dois aller m'asseoir, je dois réfléchir, je pense. Ah, Camille, à l'heure là, tu as perdu ta femme. Si tu pars maintenant, quelle image tu laisses? Qu'est-ce que les gens penseront de toi? Et ce qu'il y a lieu de corriger, tu dois t'appliquer à corriger cela. Parce que tu n'es pas éternel. Combien de couples sont divisés aujourd'hui? Parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels. Nous ne sommes pas éternels. J'aimerais conclure ce direct, ce mini-direct. Parce que je ne ferai pas de direct de prière ce soir. Par respect. Pour cette nouvelle, cette rumeur qui se répand par respect, j'aimerais vous dire, donnons notre vie à celui-là même qui va nous juger un jour, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule opportunité que nous avons de vivre éternellement et de nous revoir dans la paix, au paradis, c'est de prendre notre cœur pour dire, Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Quand tu as Jésus avec toi, la mort n'est pas pour toi. La mort est un gain. La mort n'est qu'un changement de statut. Je laisse le corps humain rempli de haine et je rentre dans un corps spirituel d'où je serai maintenant capable de parler directement avec Dieu, d'où j'irai vivre avec lui dans son paradis. Je m'appelle Katangana, général Camille Makoso. J'aime mon pays. Et j'aimerais dire à tous ceux qui suivront cette vidéo de prendre nos téléphones WhatsApp et de m'écrire un seul message. Parce que même dans cette douleur, j'aimerais offrir un cadeau aux 1000 personnes qui vivent au niveau de la France, qui vivent en Europe, qui vivent en Afrique, de partout le monde,
qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ma prière de Jérusalem et je veux mon cadeau. Le WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Je répète encore, prenez mon WhatsApp et écrivez-moi, dit général, je veux ma prière de Jérusalem. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qui les attend dans ce mois d'août ou dans cette fin d'année, qui sera une fin d'année très douloureuse dans l'impact du monde de la sorcellerie. Mais le mois d'août est le mois de l'abondance. Je pars en Israël demain. J'aimerais prier pour toi et t'envoyer la prière de Jérusalem. Pour les 1000 personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp maintenant, au 00225 07 48 79 85 85. Vous dites, général, je veux ma prière de Jérusalem et je veux mon livre. Je rappelle que ce sont les 1000 personnes. Et je confirme à tous ceux qui m'entendent que le 27 août, à partir de 10h, nous aurons la plus grande de toutes les conventions de l'été à Paris, au 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, l'entrée totalement libre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire de toute tentative de déstabilisation et que Dieu console ceux qui ont les cœurs affligés. Nous attendons l'information officielle de la République de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.